gang, est-ce que vous êtes prêtes à patrouiller les pattes? Ben, vous l'avez demandé, hein? Vous l'avez demandé. Fait que aujourd'hui, on joue à Pat Patrouille au PlayStation 4. Oh yeah! Qui a demandé ça? On est-tu des femmes de 5 ans? Fait que c'est qui veut faire le premier level? Ben, moi, je viens de me claquer deux pilules, là, fait que... Fait que tu vas y aller, Arnaud. Oh, je te l'explique bien. Essayons d'être critiques. Puis de dire qu'est-ce qu'on en pense. Ah, c'est un Taurus game. Oui, Taurus qui ont fait. Qui sont célèbres quand même pour Pat Patrouille. Oui. Ainsi que Pat Patrouille. Pat Patrouille Go Kart. C'est pas encore out, mais. Pat Patrouille Brawl. C'est un jeu qu'Israël a acheté pour son enfant, puis j'ai jamais joué. Alors on va le découvrir ensemble. Voyez-le ou non, j'ai jamais joué à ça. On va le dévorer, les gars. C'est sûr, là, comme un chien et son os, là, on va découvrir ça. Alright. Skip les cutscenes, pis tout, là. Alors, on va l'histoire. Ok, alors voyons voir. Il y a une mort au canard. Merci, Diego. C'est Diego? Je sais pas. Mais non, c'est Ryder qui s'appelle Tabarnak. Ouais. Rider, si! Ketchup, esti! Rider, Storm. Je peux pas skier, je peux pas skier. Ben, il va falloir que Chase sente. Il va falloir que Marshall pige l'eau. Ah, comme dans Mario Sunshine. Ok. Ok. Il essaie juste de nous vendre des jouets. Ça coûte des roches. Je règle déjà ça. Il sent la roche bien raide. Ok. Wouh! Les graphiques sont bons. I'm living on the sunshine. Tu l'as payé combien, Israël? J'ai juste payé ça 30$. Full price, le 80. 30$. Ben, full price, c'est 50. Ah, ok, d'accord. Chase. C'est mon préféré. Vas-y, Arnaud. Bon, non, je peux pas. Parce que lui, il parle. Simonac. Oui! Et tu me dis, Israël, qu'on peut pas mourir dans ce jeu-là. Pas vraiment. Là. Bon! Ben écoute, ça fait qu'on peut le finir. Simonac. Ben, différemment de Astérix. Astérix, c'est là! Oh! Patrouille est là! Sacrement, il va me parler tout le long. Oui! Ben, c'est le level où ce que t'apprends. Oui! Double jump! Arnaud, double jump! Yes! C'est vrai que tout le long du jeu t'apprends. Ben, c'est à ça que ça sert, Pat Patrouille, ça sert à pas. Ah oui. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Yahoo! Wah! Yah! C'est la référence à Mario 64. Vous savez-vous quoi, je trouve ça plate, que... Je sais pas comment dire, on avait comme tous des jeux similaires à Mario quand on voulait jouer, nous autres, des affaires. Puis les enfants de nos jours, quand ils veulent jouer à un jeu... Jouer à série Pat Patrouille, calice! Ben, tu sais, c'est une style d'affaires où est-ce que tu peux pas mourir, genre. Ouais, si on jouait à Tiny Toons ou Nintendo, ben, c'était tough. Je vais aller en bas parce que. Tu sais, Bucky O'Ware au Nintendo. Oh, ça, c'était bon, ça. Super bon, mais tu sais. Là, c'est juste comme genre, y'a pas d'ennemis. Y'a pas d'ennemis, jamais? Jamais. Oh, super. Ah, ben, spoiler alert, là. Faut jouer à ça. Ben, ouais, utilise le filet, là. Pis si tu te trompes. C'est pas grave. Sacrement. Ben, tu veux-tu qu'on se passe la manette, là? C'est correct. Hey, tu vas-tu me laisser compléter le tableau? Tabarnouche, je suis completionniste, là, moi, là. Y a-tu dur à vu que je suis completionniste, je vais aussi aller les chercher en bas. Ben, je sais pas, là. Je suis pas un trophy or. Moi, je veux plater, là. Ben, t'es un peu un trophy or, en fait. Ouais, t'es un peu menteur, en ce moment, Israël. Tu vas le platinumer. Non, pas celui-là, mais non. Je platinum certains jeux, mais pas Pat Patrouille. Une chance. Oh, c'est lentement. Fouf! Fait que laissez-nous des commentaires vos meilleurs souvenirs de Pat Patrouille. Aux fans de 5 ans. Moi, je me souviens quand j'étais petit, là, Pat Patrouille, je regardais tout le temps ça. Ben toi, Arnaud, t'es un de ceux qui a été le moins exposé à ça, mais pour vrai, c'est de newté. Ouais, c'est pas des kids là-dessus. C'est pas d'enfant, t'es pas les kids là-dessus. Je te dirais d'utiliser le... La patte patrouille. La patte... Le triangle. Le triangle. La patte patrouille. Ok, on y va pour la patte patrouille. Yes, sir.
Yes, sir, Miller. Fait que ça, c'est Stella. Alright, merci Stella, ma bonne chum. Seulement c'était Robin Stella. Qui est là, c'est Marie-Stella. Ah, les moutons, on l'a voué quand ça y est. Fait que tu sais, nous autres, on avait comme des jeux, des platformers comme Chip and Dale, tu sais. Ah, c'était bon. Mais là, on voit qu'il n'y a aucun ennemi, tu sais. Utilise le stifilet. Est-ce que vous pensez que la nouvelle génération est comme gâtée? Nerfé, mettons. Ben, je me dis, ça dépend comment on le voit, tu sais. Ça, c'est sûr que c'est pas un bon exemple, mais... C'est vraiment... Dans notre temps, il y avait Barbie ou Nintendo. Ben, il y a des... Dans Barbie ou Nintendo, il y a des ennemis, tu perds d'énergie, puis tu peux mourir. Okay. Ben, mourir. Je suis capable de faire le tour à Barbie au Nintendo, fait que je vais garder ça pour un épisode des Carapace Blues. Ça viendra. Théoriquement, les jeunes peuvent jouer à Grand Theft Auto s'ils veulent. Bah, ça toujours. Bon, fait que c'est un labyrinthe, mais finalement, il me dit où aller. Bon. Hey, pogne tous les biscuits, parce que sinon... Non. 29, bravo. Je l'ai intentionnellement manqué, là, le dernier... Pire épisode de Carapace Blues. Ah, moi, c'est pas le pire encore, là. On est quand même faire le pire, les gars. Alors, le chien... Ça, c'est Marshall. Woo! Marshall, le chien barbier, ben oui. Marshall de Erie, Indiana. Marshall Matter. Yeah! Marshall et Simon. Ben moi, Erie, Indiana, j'adorais ça. C'est une des meilleures séries. C'est X-Files pour les jeunes. Ah oui, je les écoute en ce moment avec ma blonde, là, puis ah oui. Vraiment, on tripe, là, ça a super bien vieilli. Comment tu faisais un jeu de Erie, Indiana? Oh fuck. Pas d'ennemis, tu ramasses des biscuits. Tu peux pas mourir. Tu peux pas mourir. Ben oui, c'est sûr. Sans des biscuits. Mais il y a eu une espèce de reboot à un moment donné de Erie Indiana, c'était comme une nouvelle dimension. Là. Puis c'est malaisant. C'est vraiment pas aussi bon, c'est pas les mêmes acteurs. Non, c'est pas Pat Patrouille. Non, c'est sûr que... C'est sûr. Dans le Pat Patrouilleverse, là, ça va pas loin. La deuxième saison, la troisième saison. Il y a aucun ennemi, hein. C'est fou, Red. Man, c'est crazy. Est-ce que tu considérais que c'est fidèle à la série? Square Butt. Ok, il dit. On l'écoute juste pas depuis tout à l'heure, mais il dit quoi peser. Ben, ça, je te dirais que. Tu sais, moi, je les ai écoutés avec mon fils, puis. Saison 1, c'est mild, comme de la sauce mild. Mais à partir de la saison 3. Il est comme le maire de la ville voisine qui est un peu evil. Fait que là, tu commences à avoir un antagoniste. Ok. Ça a pris 3 ans, mais il. Ça va prendre 4 jeux. Ouais, je pense pas qu'il est dans le jeu, là. Ah. Puis tu sais, c'est juste. Attendez, là, il va me dire quel piton peser. Il est-tu comme de l'humour pour adulte, comme dans les Pixar, pour le genre? Non. Hélicoptère. Pas. Yes. Bon chum Rubble. Rubble. Rocky Rubble. C'est le préféré de mon fils. C'est Rubble son préféré? Rubble Vixen. Ben, sauf erreur, oui. Là, faudrait que je redemande. Ben, imagine si t'es trompé là-dessus. Ben, il va me le dire toute ma vie. Là. Mais le mec, il check ça à 17 ans là, sur YouTube. Là. Pourquoi, papa? Là, nos enfants, n'écoutaient pas ça. Là. Je l'ai pas encore, là, mais en tout cas, tu l'aimes bien. Salutations à tous les enfants qui nous écoutent. Puis toi, Arnaud, t'as décidé de skipper 2-3 biscuits dans le labyrinthe. Ben, Arnaud, j'en ai skippé un. Il trouve ça trop tough, Arnaud. C'est pas compliqué. Fait que t'as même me dire qu'à la fin du level, les dodge! Wouh! Ok, attendez, là, je suis sur un astidron, là. À la fin du level, il va te manquer un biscuit, puis là, tu vas le regretter toute ta vie. Deux! Parce qu'on jouera pas. Deux! Circle. Vas-y Marshall, c'est pas un jeu qu'un épisode interactif, disons. Ouais, j'avoue que c'est plus un épisode interactif. Peux-tu arroser quelque pas chose? Pas tant un jeu, Israël. Je peux pas arroser quelque chose de pas le fun en plus. Il y a vraiment rien.
Il n'y a pas des filles en bikini. Okay, ben... C'est pas un wet t-shirt. Chez Serge, le jeu. Les ursous, pas de patrouille. On va faire les ursous de Larry. Dragon de mer. Ben, ils viennent d'en sortir un nouveau, peux-tu croire? Lâche pas. Mais aussi, il y a eu. Récemment. Deux trophées. Bravo. Récemment, ils ont. Trois trophées. Bravo. Ils ont releasé tous les jeux MS-DOS, environ peut-être 2000-3000 jeux de MS-DOS des années 90 et early 2000, je pense même, qui sont rendus. Mais toutes les Leisure Suit Larry sont jouables gratuitement sur une archive, je pense que c'est Video Game Archives. Là. Vous irez checker les gens qui ont des PC, là, c'est fou raide. PC Master Race. PC Master Race. Là, tu peux jouer à ça de même, là, t'as pas à l'installer. Non, non, tu streams le jeu. Ah ouais. C'est débile. Puis les Ursus Larry, ils ont toutes les vieux, là, évidemment. Je me souviens, moi j'avais bien trippé sur Magna Cum Laude, là, mais y a-tu Dragon de mer? On parle de ça en jouant à Pat Patrouille, là, en tout cas. Dragon en haute mer. Drag en haute mer. C'est celui sur un bateau. Simonac. Ok, ouais, Leisure Suit Larry Cruise. Ouais, mais parce que Maxime Gervais, il l'a en français, puis il parle souvent de ce jeu-là. Mais oui, c'est sûr qu'il l'a. On le salue. Quand on demande à Maxime de nommer un jeu vidéo, il nomme ce jeu-là. C'est le seul que j'ai joué, d'ailleurs, les Leisure Suit Larry. En fait, là, on fait vraiment le deuxième level, là. Je pensais pas qu'on se rendrait aussi loin. Ben là, on est parti par. On fera pas le tour là, parce qu'il y en a vraiment trop. Peux-tu mettre le chip d'infini de vie par exemple, s'il te plaît? Ben, si c'est comme Astérix, on pèse 6 fois par en haut, 8 fois à gauche. Alors, oh boy. Oh god. Très différent sur un tableau. Oh god. Oh mon dieu. Moi, je pèse juste par en avant. Ah oh, fuck, faut que je recule. Ben, je pense que. On aurait dit l'épisode-là ou... Chaque étape, il dit... Non, attends, continue, c'est toi qui voulais jouer. Non, là. Tu veux jouer à ça, Israël, on va jouer une demi-heure. Donc, le plus long épisode de Carapace Blues, ça va être ça. On joue à ça. C'est elle, t'es comme, les gars, c'est vraiment hot. Oh, j'ai jamais dit que c'était hot. On va faire un épisode de ça, là, les gars, là. Écoutez, là. Vous allez voir, ça va être la meilleure affaire, ça va être payant. Ben, l'idée, c'est qu'on joue pour que vous jouiez pas à ça. Ben, vous auriez pas joué à ça. On joue pour vous. On joue pour vous. Là, tu manques des biscuits en bas, cette petite crise de gibier de potence. Ouais, tu vas aller me chercher ça. Ben, hey, c'est toi qui... Hey, wow! Crise de petite dangereux mental. C'est quoi ton hostie de problème? Alors, c'est toi qui me porte la blâme d'avoir skippé deux biscuits. Ah, tabarnak! Ben. C'est toi qui as commencé, là. Si t'avais fait ton premier level clean... Je vais en faire un level, vous aussi, vous allez voir. Vraiment, je risque de fucking... faire un level, je prendrais pas un petit biscuit. On va tous les éviter. Ça sera pas possible. C'est des biscuits empoisonnés. Mon Christ de petit menteur, de fucking hypocrite de merde. Mais t'es certain que ces chiens-là, s'ils courent chez nous, ça va être plein de poison et biscuits. Vous allez voir. Ça va être la chute, hostie, de Carapace Blues, ce jeu-là, hostie. Ça va tout faire la chicane. Hey, on avait même pas 100 fans, Israël. Chris d'Israël, de tabarnak. Chris de tricheur. Voilà, calmez-vous, là. Non, esti. Tu savais même pas quoi utiliser, esti. Quand tu perds dans le vent. Quand tu passes tous les boy. Boutons en même temps, ça tire la barre. Ah, tu vas. C'est bon, toi. Oh, mon dieu. Ouais, skip le biscuit, là. Ouais, skip-le. Trop dur à pogner. Tabarnak, il y a des ennemis. Hey, t'as manqué un biscuit en passant, hein? Je veux juste te mentionner. Ben, à date, c'est. Ah, un ami! Ah! Ah, ça fait rien. Bon, ouais. Ça n'a pas de conséquences. Oh, à date, c'est. Comme la vie, hein? Ça n'a pas de conséquences. Ça fait deux biscuits que tu manques, si tu es incompétent! À date, c'est le. C'est le bout le plus. Ah, sacrement! Le plus dur du jeu. Ah, tu me frustres. Tu me fais chier. Tu me chies dessus pour deux biscuits, est-ce que tu t'en manques une dizaine? Ok, bon. Tu me mets en beau calice. Bon. Ok, reprends tes esprits, Zé. Je vais le replacer, là. Ouais, mais je suis un peu. Il nous parle beaucoup, Diego. Je m'excuse, hein, je vais pas te chicaner comme ça, là. C'est pas Diego, c'est. C'est Dora. C'est Dora.
Ben même Laura l'exploratrice n'aura pas connu le escompté au box-office finalement, en fait. C'est Ryder. Sur un budget de 49 millions, on a fait 60 en Amérique du Nord et 120 mondialement. Il est sorti ce film-là? Oui, ça existe. Simonac. Qui l'a cru, ça parle très bon. Genre, hey, ce qui peut le biscuit, là. Moi, j'ai abandonné les biscuits. Je veux juste qu'on speedrun le jeu, là. Avec des cheats, pis des... Oh! Pis des... comment ça s'appelle? Des Acab! Des glitch. Je glitch le jeu, esti. Ok, glitch le jeu. Glitch le jeu, pèse à droite. Décalisse Ryder! Esti! C'est même pas Ryder son nom. Moi, c'est Ryder. Ryder, c'est le chien. Non, c'est Chase, le chien. Ça, c'est Rocky, en tout cas. Rocky, il aime ça, il rush. Hey, les levels sont longs, hein? Hey, c'est... Ah, oh, man. Ben, au moins, ça fait pas beaucoup. Que du neuf. Ben oui, ils ont grand. C'est hey, la grange des biscuits. Julien, j'espère que t'es prêt, là. Ah, moi, je suis prêt. All right. Moi, j'attends ça toute ma vie, hein. Ça fait 36 ans, j'attends ça. Ah, si, c'est proche. Tu sais, parce que, tiens, admettons que tu joues à la petite sirène au Nintendo. Admettons que tu joues à la petite sirène au Nintendo, tu sais, il y a comme de quoi, tu sais, il y a comme genre des levels. Pis, je sais pas comment dire. C'est super le fun, tu sais. Je sais pas comment dire, mais je pense que les jeux pour enfants se sont perdus avec le temps. Voyons, je sais pas comment exprimer mon point, mais. Je pense qu'ils sont peut-être raffinés aussi, parce que supposons, dans le fond, c'était pas des jeux pour enfants, un peu. Ben, parce qu'on dit ça, on est jusqu'à des faire quand on est adulte. Peut-être qu'ils sont basés sur des reaction videos des enfants qui jouent à genre Lion King. Puis en fait, on veut faire Lion King, c'est pas faisable pour vrai, genre. C'est ça. Mais tu sais, la petite sirène, c'est super le fun, mettons. Mais c'est un Capcom. Chip and Dale, c'est super. Moi, Chip and Dale, c'est le meilleur exemple. C'est un jeu qui est super faisable, il est super le fun. Il y a un beau petit challenge à la fin. Tu sais, pourquoi Pat Patrouille, ça aurait pas pu être un jeu similaire, maintenant? Ouais. Pat Patrouille aurait pu être le prochain DuckTales. Ben oui. Avec. Check, gars, je pèse tout en même temps, puis ça marche pareil. J'espère que vous en avez pour votre argent à la maison. Là, c'est un bout de pouvoir une porte de grange. Parce que... un casse-tête. Un casse-tête. Oh, Seigneur. Simonac, je sais pas, là. Ça, on a failli partir un Patreon pour cet épisode-là, faire un épisode exclusif Patreon. Là. Écoutez, j'espère que vous sentez privilégié de pouvoir voir ça gratuitement. Sacrement, Israël! Ah, j'essaie d'aller vite, là. Avec Pat Patrouille, il pas... y avait un petit, il y avait un petit logo Black Flag qui manquait juste une planche. Ben, vas-y. Ok. Moi, faut que j'aille faire pipi. Ouais. Comme à l'excellent épisode de Face to Star. Je pense qu'on va même t'entendre en train de faire pipi, mon cher. Ouais, seulement. Alors, bienvenue à Carapace Blues, l'édition Israël fait pipi. Ouh! Miss fort. Yes! C'est sûr qu'on l'entend. Alors, voyons voir. C'est. Oh, tabarnak! Alors, vous avez demandé, Pat Patrouille. C'est parti. Save the bunnies. Je vais faire le tableau sans pogner un seul biscuit. En ouais, Pat Patrouille. En ouais! Je suis prêt. Le son de quelqu'un qui pisse pendant que quelqu'un joue à Pat Patrouille. Comme du ASMR de sadomaso, weird, auditif. Yes, je vais prendre... C'est Chubwub. Gâteau. Jewelry. Acab. Yes. Ok, vas-y gâteau. Alors là, j'y vais... Sans pogner un seul biscuit, parce que là t'es assez gros, on est stylé. Ok, on y va. Bon, Israël s'est permis de pisser, moi je vais me permettre de vapoter bien dans la masse. Oh, je vais pogner le premier biscuit. Fait qu'on te saute le cul. Alright.
Ben oui. Ouais, c'est pas un petit trou de cul qui est capable de faire ça, là, je veux dire, de péter de la roche, là. Faut pas qu'elle fasse ça. Tu prends pas mal de biscuits, je trouve, Julien. Ah ouais, j'essaye, mais ils sont durs, hein. J'essaye d'être pas bon, mais c'est difficile. Ils sont... Ah, je suis triggered. Là, j'ai si longtemps que je peux ouvrir une porte de grange, là. Je pense que juste... Alright, ok. Et voilà. Tout est en haut, ça devrait être. Ok, on y va. Oh, non! T'es assez gros de même. Ok, on continue. Faut que tu crées de la difficulté, finalement. C'est dur, les éviter. Fucking fuck! Non, voyons! Oh, c'est tough. Le Bob Wob. J'ai lancé les roches. Hey boy! Hey. Attendez là, attendez! Non, non! Ah, ok, ça va, ça va, ça va. Ça va. Ok, Alright, alright. Non, non! Hey fuck! Ok, on arrête ça. Ah! Tu l'as eu? Je l'ai eu. Non! Moi j'allais dire qu'on arrêtait ça là. Là. Par ici la sortie! Tabarnak! Non! Non! Oh! Je veux pas les biscuits! Là c'est gros! Moi là! Après 3 biscuits! C'est pénible! Ah bah oui hein! Après 3 biscuits c'était non là! Lui il mange 200 biscuits et pas de problème! C'est ça qu'on donne aux jeunes là! Tu peux juste peser sur toutes les pitons! Ah ouais! Oui. Demain il te le donne le bon! C'est pas lui! Il y a jamais d'échec! Y'a rien! Oh! Venez me dire que ça c'est un mauvais jeu. Tabarnak! C'est comme jouer à un infini tutoriel. C'est pour ça que tu fais. Et en plus, il est tout le temps en train de dire, hein, n'oublie pas de sauter! De toute façon, c'est pour IGN, là. Il faut que ça soit une review de jeu, là. Ouais, ils font pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Parce que, tu sais, ce jeu-là, il est pas reviewé. Ouais. Attendez, on fait les reviews de ce jeu-là. Ok, on va aller voir. Mais on va voir. Moi, sur Metacritic, il convient. Bon, t'as me tombé ça. J'ai hâte. Viens-t'en, Evelyne! Viens jouer à Patatrouille! Evelyne, on fait un épisode! Viens jouer à Pat Patrouille, Evelyne! On joue à Pat Patrouille! Allez-vous 5 minutes? Oui! Ben, t'as-tu fermé la porte? Oui, j'ai barré la porte. Yes, parfait! Je me sens à chaque fois. Alors, on y va avec notre co-animatrice. Vous la reconnaissez évidemment, Evelyne, qui vient terminer le tableau de Pat Patrouille. Oui, il me reconnaissait pas le chandail. Vas-y, Evelyne. Vas-y, Evelyne, faut que tu finisses le tableau de Pat Patrouille. Faut que t'évites les biscuits. Tu es capable. Les biscuits de notre diabète, faut que t'évites les biscuits. Alors, c'est notre première invitée, Girl Gamer! Yes! Woo! Woohoo! Et puis aussi, on est capable de jouer. Oh yeah! On t'a dit de. On t'a dit d'éviter les biscuits. C'est bon, les biscuits. Non, mais écoutez, les gars. Pat Patrouille a 4.5 sur 5! Faut-tu vraiment que je mange un biscuit? Là, faut que tu choisisses un choix là. Là je, ben, je dirais la toile d'araignée, là, Spider-Man. Ben, la ligne de coke de fleurs, non? Ben, si tu veux, là. Écoute, choisis. Ah. De toute façon, il n'y a pas de. 4.6 sur 5. First good little games. Little kids game I found for the PS4. My kindergarten age daughter is loving this game. And picked up the control and basics in one day. Ben oui, no shit. Ben, ça regardera peut-être pas dans le public site. This is the first. Est-ce que dans le fond, depuis le début, on se trompe? Il y a pas moyen d'aller plus vite, comme tu sais, avec Mario, là, quand tu passes le piton. Non. Ben, Kevin, tu es allé à l'ESCO ce soir? Non, je suis pas allé à l'ESCO. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis passé devant l'ESCO. Eh. Ben, ta voix, elle craque comme si t'avais été à l'ESCO. Ah, où est-ce que t'es allé? J'étais là au Vivi Taberna. Au quoi? Tabernacle? Ouais, au Vivi Taberna. Au Vivi Taberna. Hey, c'est là au Vivi Taberna. Hey, c'est vraiment endroit où il y avait Nicolas Chicone. Il était là? Non, mais pas de diffamation, là. Mais non! Oui, oui. Ben là, vous êtes pas live. Là. Si vous connaissez pas Trip de bouffe de Nicolas Chicone, checkez ça. C'est la meilleure tune.
j'ai soif de glace. Faut que tu recules en même temps. J'ai si sèche que j'ai besoin de glace. Oh, si je veux raviver mon cœur, le trip de bouffe. Le trip de bouffe. Sa meilleure tune. Vite! Elle l'aura pas. Oh, elle est pas bonne. Tabarnak, c'est vite! Sacre mousse. Elle est bien trop starstruck par Nicolas, Esti, elle est plus capable de jouer. Il faut que je mange si je veux raviver mon cœur. Le trip de bouffe. Le trip de bouffe. On vit de perdre. Attention, suis les pattes. Alors ici, on voit l'influence de Zelda dans le point de vue qui est la caméra qui est au-dessus comme ça. Isométrique. Mais en fait, c'est même pas isométrique, c'est top view, excusez. Ah, c'est bon. Ah, j'ai fait un bon jump. Hein? Il dit... Ben oui, c'est sûr. Est-ce que je sniffe encore des fleurs? C'est ce que tu veux, bébé. Non, c'est... C'est le filet! Ah, il m'a dit quoi prendre en plus. Ben, je le dis pas vraiment. Ben, il te le dit pas, mais il n'y a pas de conséquences, c'est pas de bon. Tu peux faire toutes les erreurs que tu veux dans la vie, Evelyne. Ben, ouais, ça ne prépare pas dans la vie, dans le jeu. Si là, on peut faire une critique, c'est ça prépare pas les enfants à faire des mauvaises décisions. Ouais, il faudrait que ça te donne un choc électrique quand tu as un mauvais choix. Faudrait que, genre, ta blonde t'écrisse là, puis que tu perdes ta job. Ouais. Tu vois trop, tu zigrognes. Au début, c'était cute, mais là, tu sais où. Tu as choisi. Ça n'a jamais été cute. Tu as choisi la loupe. Tu as maintenant un problème de cocaïne, ton loyer est en retard et tu es évincé. Oh! Ça doit être ça, c'est un cas de. Un cas d'araignée. Oh yeah! C'est un cas de pince sur les pitons pis il se passe rien. Alright! Allez! Chase is on the case! Spider Girl! Alright! Salt, alright! Oh! Bon, ben c'était Pat Patrouille! Ah, ben on va laisser Evelyne faire un film. Ben oui, Evelyne, t'as l'eau. Ah ouais, Evelyne, alors tu as sauvé les petits lapins, évidemment. Ben c'était Pat Patrouille au PlayStation 4. Avez-vous des impressions à dire en terminant? Ah, c'est 4 sur 6. Non, franchement, c'est. Tu vois, Evelyne. Ben je trouve que Chase avance pas assez vite. 8 nanas sur 10. À la semaine prochaine.